je t'aime. Alléluia. À cause du poids, le corps de Jésus qui a été déchiré. Vous voyez, le jour où il était mort, le poids était le même jour. Et le rocher, tout le rocher s'est fendu. Ça veut dire que tu as une libre entrée dans le lieu saint qui n'était réservé qu'à un sacrificateur une fois l'année. Donc toi aussi tu es sacrificateur. C'est pour la dire que vous êtes des sacrificateurs royaux. Vous pouvez entrer parler à ton Dieu. La route est ouverte, elle est ouverte 24 heures sur 24. Alléluia. C'est vrai que vous pouvez demander le pasteur de prier pour vous. Mais vous-même, vous pouvez entrer plus que tout le monde dans les sanctuaires parler à ton Dieu. Amen. Quelqu'un me disait que vous posez la question, est-ce que j'ai prophétisé par moi-même? Mais oui, Dieu te parle parce que tu es entré dans les sanctuaires. Il est en toi, Dieu. Jésus est en toi. Amen. Par le sacrifice de son corps qui a été déchiré, le voile a été déchiré. Nous sommes plus comme les gens qui vont voir, ils vont voir les marabouts qui vont parler à Dieu, tout ça. Non, qui est chrétien. Quand tu dépasses, tu parles à ton berger, quand tu dépasses, bien sûr, il n'y a pas de problème pour ça. Mais tu peux parfaitement régler ton problème avec ton père. Amen. Alors hier, j'étais dans une réunion quelque part, j'ai vu quelqu'un en parler. Je pose une question que j'ai vu en fait, la personne est restée une minute comme ça. Là, j'ai dit, mais tu faisais quoi? Ah, je priais que le Saint-Esprit me parle. Je dis, ah, c'est bon là. Et puis il y a donné la réponse selon Dieu. Dieu parle à tout le monde. Le problème est que les gens ne sont pas habitués à reprendre l'enseignement comment écouter Dieu. Je ne sais pas quand là. Il faut apprendre le temps d'écouter, savoir ce que c'est la voix de Dieu. Tu penses, ça s'apprend. Amen. Alléluia. Amen. Le chemin est ouvert. Demandez, venez, frappez. Le chemin est ouvert. Tu es enfant de Dieu, la route a été inaugurée pour toi. Si tu étais prodigue, que tu as des chemins qui n'étaient pas les miens, viens comme l'enfant, prodigue, je retournerai chez mon père. Tu viens humblement demander pardon. Qu'est-ce que le père avait? Le père a-t-il rejeté l'enfant prodigue? C'est le grand frère qui était jaloux. Mon père était tellement content. Amen. C'est humainement quoi. Tu vois les gens qui sont sanctifiés, des fois même pour nous, quand j'ai pris, j'aime que quelqu'un qui est sanctifié soit plus guéri que celui qui n'est pas sanctifié. Hein? Mais des fois, tu pries, c'est qu'il n'est pas sanctifié et guéri. Ça me scanne un petit peu, mais je dis comme ça. Alléluia. Amen. Donc, les grands peuples disent amen. Parce que Dieu, il y a Dieu qui fait accepter les personnes. Amen. Moi, je ne suis pas Dieu. Amen. Dieu choisit qui il veut. Il agit où il veut agir. Alléluia. Amen. Donc, tu peux revenir comme tu sais qu'il est ton père. La route était inaugurée. Tu viens comme l'enfant pour lui demander pardon, Dieu te pardonnera et il t'accueillera à bras. C'est le meilleur moment que tu as avec Dieu, quand tu es tellement brisé devant lui. Il est Dieu miséricordieux, quel bon message il te donne aujourd'hui. Alléluia, nous terminons avec le tout dernier bénéfice que beaucoup n'aiment pas, qui est dans la prophétie, beaucoup de gens aussi, c'est la paix. Dieu a fait la paix, vous avez fait la paix avec Dieu par le sang du calvaire. Vous avez chanté des chansons, le sang du calvaire vous apportait la paix. Parce qu'on était séparés avec Dieu. Son sang fait que la colère de Dieu s'est apaisée. Que maintenant nous sommes en paix avec Dieu. Amen. Quand on n'est pas avec quelqu'un, on est en quoi? En guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. Dites que je ne suis pas en guerre avec Dieu. Amen. Je suis en paix. Alléluia. C'est pourquoi il est dit que le châtiment qu'il nous donne. Les châtiments, ces châtiments c'était à la croix. C'est ces châtiments qui nous donnaient la paix. Amen. Si quelqu'un regarde encore la montre, je vais prier que ces gens puissent être fixés sur la montre. Amen. Ne regardez pas, sinon vos yeux vont être fixés sur la montre aujourd'hui. Là. Amen. Là, ce sera trois jours où tout le monde va regarder. Quelqu'un a les yeux fixés sur la montre. Alléluia. Et Montréal sera ici. Là. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est par là que nous terminons, donc l'élément central qui a accompli tout cela comme bénéfice pour nous, les rachats, la destruction des démons, le pouvoir des démons, la guérison, le pardon, l'inauguration de la nouvelle route pour le ciel, et la paix, c'est seulement le sang de Jésus. Amen. Que tout est question du sang de Jésus par rapport à l'œuvre de la croix. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons tout simplement grâce au Shikala Sokoshia. Les sandales! Les sandales de la joie! Oh, Ramachim, les commandants, Rabastandachia! Nous te rendons grâce encore une fois, oh Dieu! Laisse, oh Dieu, que ces bénéfices, que ce soit les rachats, les guérisons,
le pardon au Père. Savoir qu'ils peuvent accéder à toi tout le temps, ô Dieu. La paix au Père qui sera tout déjà soit l'air l'eau aujourd'hui. Nous te rendons tout simplement grâce. Encore nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fais cette prière et ipso facto, ce que nous devons dire sera ta paix, sera ton bénéfice aujourd'hui. Tu dis simplement Père Céleste, je te demande pardon. Je me reconnais pécheur aujourd'hui. Je crois que Jésus-Christ a souffert sous Ponce Pilate, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité. Lui qui était né de la Vierge Marie, il était mort pour moi. Je crois aussi qu'il est ressuscité. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci de me sauver. Amen.